Première femme? Mais cela ne me ressemble pas. Cette femme est trop belle. Avais-tu donc si honte de moi, Jean-François, pour me représenter plus belle que je ne le suis? C'est depuis un moment qu'on n'a pas mangé. Ouais, les gens ils sont chiants, putain, on ne peut rien manger, ils jettent rien dans les poubelles. Mais par là c'est un bon coin, l'autre fois j'avais trouvé du KFC. T'es sûr que c'était du KFC? Oui, je suis sûr. Ouais. Ah, guette là, il y a une meuf. Et d'où est dans la poubelle? Même nous, on serait dû pas à ça. Mais regarde ces bagues, elle est pas du même style que nous, c'est sûr, elle doit avoir des problèmes. Un problème ou pas, c'est pas qu'on aura apporté un max de thunes. Mais qu'est-ce que t'attends pour les prendre? Ah bah oui, attends. Putain, se réveille. Excusez-moi, jeune Jean, où sommes-nous? Jean-François, Millet est-il dans les environs? On est à Cherbourg là et Millet il est par là. Oh, si vous voulez, on peut vous y emmener, mais on veut vos bagues en échange. Mes bagues? Oh, si vous voulez, elles n'ont plus importance à mes yeux. Si vous m'emmenez jusqu'à Jean-François Millet, je vous les offre. Attendez, on peut pas vous laisser vous trimballer comme ça, on va vous trouver des vêtements. Ne bougez pas. Non, pas ça. Ah, mais il y a tellement de conneries dans ces poubelles. J'allais dire la même chose. Tu trouves David? Non. Ah, j'ai trouvé un pantalon pour vous donner. Joué. Continuez à chercher. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu tant d'enfants que ça? Faut croire. Ne vous inquiétez pas, Pauline. On va vous aider à vous venger. Oui, ne vous inquiétez pas. Vous venger? Oui, vous. Mais oui! Me venger! C'est là qu'il mange. Oui. Merci, jeune Jean, vous pouvez partir. Mais bien sûr. Oh, merci. Regarde, il y a du pain. Oui. Oh, oui. Moi aussi. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas mangé. Oui, oui. J'ai beaucoup sur mes larmes. Pauline, qu'est-ce que tu fais? Jean-François, sale traître! Tu veux me tromper avec une autre? Tu m'as dit que tu m'aimerais toujours! Pauline, calme-toi. Je t'aime. Et si je t'ai peinte, c'est pour t'offrir la vie éternelle. Regarde-moi. Si je t'ai peinte, c'est pour te montrer à quel point mon amour l'est aussi. Mais si tu m'as peinte plus belle que je ne l'étais, ce n'était pas parce que tu avais honte de moi. Non, je t'aimais et je t'aime toujours d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, pourquoi as-tu pris une autre femme? Pourquoi lui as-tu fait ton enfant? Parce que seul sans toi, je n'aurais pu survivre. Toute ma vie, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je te prie de m'excuser. Je me suis laissée envahir par la jalousie. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous préviens, je vais prévenir la police. Putain, mais dans ce cas! Vous êtes condamné à 2 mois de travaux d'intérêt général.